I made was not enough. The dark gods still feed on our transgressions. Corruption. Obsession. This. Face these demons. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour... Alors je le fais pas d'habitude, mais un petit teaser, enfin, débrief un petit peu le trailer de Total War Warhammer 3 que j'ai trouvé incroyable. Je vais le remettre d'ailleurs en fond, même si je vais baisser le son. Alors pour l'info, je suis extrêmement hype, je fais des vidéos sur Total War, j'ai fait également une vidéo sur Total War avec les différentes races et civilisations de Total War, notamment, et bien celles qui pouvaient arriver dans le 3, et je suis totalement... Alors ce trailer est incroyable, donc oui, je suis hypé, je vais peut-être perdre mes mots parfois. Mais tout d'abord, je tiens à dire que ce trailer, au final, ils ont choisi de faire... Alors, on avait quelques doutes, puisqu'il y avait eu notamment un tease, j'en avais pas trop parlé sur Twitter, parce que j'attendais de voir, mais il y avait un artwork qui avait leak, c'est cet artwork final, celui-ci, avec la tsarine contre le démon majeur de Khorne. Et du coup, on va refaire un point là-dessus. Pour ceux qui connaissent pas forcément Warhammer, bah, normalement, le trailer devrait vous suffire, et je vous aiguille, bien sûr, sur les deux vidéos que j'ai pu faire de lore sur Total War Warhammer, enfin, juste Warhammer, en fait. Mais je suis extrêmement content... Puisque c'est des nations un peu moins connues. C'est vrai que la plupart des gens souvent connaissent Warhammer grâce à l'Empire, les hauts elfes, les orques, les nains, etc. Mais on connaît moins peut-être parfois certaines races ou certaines civilisations. Parce que là en l'occurrence c'est deux civilisations humaines. Et avoir mis justement Kislev à l'honneur. Alors, c'était, qu'on soit clair, même Creative Assembly, on avait un petit peu parlé sur des questions-réponses et tout, ça avait jamais été confirmé à 100%, mais globalement, on anticipait beaucoup 4 races. On anticipait les dieux du chaos, on anticipait Kislev, on anticipait également les royaumes ogres, qui ont été confirmés à demi-mot hein, sur certains questions-réponses, et les nains du chaos. Personnellement, c'était le roster de base auquel je m'attendais. Avec potentiellement en DLC plus tard les Dogs of War, donc les mercenaires, on va dire, les différents royaumes mercenaires, notamment l'Attilée, les Stalies, tout ça, les principautés frontalières. Et pourquoi pas toutes les provinces à l'extrême est qui sont très très peu connues des joueurs et dans lesquelles j'ai fait une vidéo encore une fois, mais Katei, Indra et Nippon. Donc, mettre Kislev
à l'honneur. Alors, on s'en doutait un petit peu Kislev allait être là, mais mettre vraiment Kislev à l'honneur, eh ben, j'avoue que c'est super plaisant. Il y a un grand côté dans ce trailer-là, je trouve qu'il y a un grand côté, notamment ce plan, mais il y a un grand côté Game of Thrones saison 8. Alors, je sais que c'est la saison qui est probablement à moins plu aux gens, Game of Thrones, en mode, enfin oui, la saison 8, tout ça, tout ça. Mais ça fait très bataille de Winterfell, je trouve, avec la menace venue du Nord, une grande tempête de neige, des mecs du Nord. Je veux dire, il y a un grand rapport entre les Kislevites et les Nordiens de Game of Thrones avec le côté, on est dans un territoire où on est toujours attaqué, c'est toujours nous qui sommes sur le front, on est dans la zone tampon, on se fait défoncer par les menaces venues du Nord. Sauf que là, bah, c'est pas le roi de la nuit, etc. C'est le chaos. Hein. Le chaos, on va le rappeler après, mais le chaos, c'est la grande menace de Warhammer, à savoir les quatre dieux du chaos. Il y en a d'autres, mais pour le moment, c'est les quatre principaux. Et dans les quatre dieux du chaos, en fait, chacun a un aspect, chacun a plusieurs, enfin, chacun ont leurs caractéristiques précises et leurs couleurs. On parlera en couleurs, sera plus simple aussi. Et du coup, eh bien, il y a des humains, des hommes du Nord généralement, qui leur vouent un culte. Et du coup, il y a des armées de chaos, du chaos, des guerriers du chaos, mais aussi des démons qui déferlent sur les terres et qui attaquent le sud. Et du coup, Kislev, l'une des nations les plus au nord du monde de Warhammer, du vieux monde, eh bien, sont tout simplement en première ligne contre ces forces-là. Donc, revoir un petit peu que voilà. Alors, au passage, donc la narration qui parle, c'est tout simplement Boris Roca, si je ne dis pas de bêtises, Boca, pardon, Boris Boca, le père du coup de la tsarine que l'on voit ici, Katarina Boca, qui est tout simplement, alors peut-être que je prononce mal, hein, mais c'est Katarina Boca, c'est l'accent espagnol, sorry, lo siento, mais du coup, Katarina Boca, c'est tout simplement donc la tsarine, donc la chef de Kislev. Alors Kislev, ce qui va être très intéressant pour le gameplay en plus, c'est que bah, c'est une nation qui est très inspirée de la Pologne, de la Russie, de la plupart des pays de l'Europe de l'Est, mais également d'Asie centrale, où vous avez du coup un peuple avec beaucoup de nomades, mais également un côté très russe au niveau de l'aristocratie. Et au final, on a donc des seigneurs locaux qui ont beaucoup d'influence. Ce qui fait que, normalement, Katarina sera bien sûr normalement l'un des seigneurs légendaires, parce qu'elle est présentée, donc c'est quasiment fait, et elle devrait, probablement un petit peu à l'image de Karl Franz dans les Total War, récupérer un petit peu l'ascendant sur les différentes provinces, les soumettre, les vassaliser, etc. Donc ça marche très bien pour le côté gameplay Total War, et c'était déjà dans l'histoire de Warhammer. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant. Donc le narrateur, c'est le père, un petit peu l'image d'Anduin avec Varian dans WoW. Bah, la fille lit une lettre de son père qui explique que bah, il a péri, qu'il va probablement mourir sur le champ de bataille dans le nord, et que du coup, eh bien, il compte sur sa fille pour reprendre les choses en main, et que son sacrifice ne sera pas suffisant. The sacrifice I made was not enough. Voilà, le sacrifice que j'ai fait n'est pas suffisant. Et on voit, alors, Katarina est très connue pour deux choses. Alors, elle est très liée à la glace, comme vous le voyez, bien sûr. C'est aussi pour ça que ses gardes ont des lances de glace. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'en fait, Katarina, c'est un personnage très énigmatique qui, à la base, a beaucoup appris. Elle cherche énormément la connaissance et autres. Et elle était souvent pas du tout intéressée par les manœuvres politiques, par le côté la cour, etc., etc. Elle était dans son coin, et ce qui fait que la plupart, le peuple ne l'aimait pas trop, on va dire, au départ. Parce que justement, bah, elle est dans son coin. Le truc, c'est que quand elle va devenir tsarine, ça c'est Tempête du Chaos, c'était la campagne Tempête du Chaos de Warhammer, et bien quand elle va devenir tsarine, elle va devoir se battre au front, parce que c'est une grande sorcière de glace immensément puissante, et du coup, quand elle va arriver au front, en fait, elle va tellement gagner de batailles et sauver bah, ses armées, son peuple, etc., que petit à petit, elle va être très aimée. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, souvent, on vous vante un personnage qui va être très aimé, etc., parce que il est droit dans ses bottes, etc. C'est pas qu'elle est pas droite dans ses bottes, mais en fait, c'est qu'elle est très froide, évidemment, de glace, tout ça, mais du coup, au niveau de son caractère, comme elle est extrêmement distante, très froide, eh bien, il a fallu beaucoup de temps avant que les gens se rendent compte de sa vraie valeur, et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Mais bon, du coup, la tsarine lit la lettre, et on voit que justement, bah, elle est affectée parce que c'est la mort de son père, quand même, mais elle reste assez distante et relâchée. Voilà, donc les dieux du chaos se nourrissent toujours de nos transgressions. Elle vous regarde dans le miroir ce qui pourrait arriver potentiellement. Et on vous présente les quatre dieux du chaos principaux. Ça c'est pas mal pour rappeler aux joueurs un petit peu qui ils sont. Nous avons tout d'abord en vert l'un des plus connus. On commence par l'un des plus connus et on termine par l'autre plus connu. Donc Nurgle, on commence par Nurgle, le seigneur de la décrépitude, des maladies, de la contagion.
avec des asticots, évidemment. On l'entend dire corruption, donc la corruption. Mais bon, la corruption, c'est pour tous les dieux du chaos à ce niveau-là. Alors, celui-là, je suis extrêmement content de le voir, parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais c'est normal, Malga. Pour des jeux vidéo, c'est très, 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 très compliqué d'inclure ce dieu-là. Parce que ce dieu-là, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on voit juste une langue et un œil. Vous avez entendu le obsession, donc l'obsession. Ce personnage, ce dieu-là, c'est le dieu avec une couleur qui est le rose, c'est Slaanesh. Et ce dieu-là du chaos, c'est en fait tout ce qui est les péchés capitaux, les vices, notamment la luxure, et tout ce qui sont les plaisirs interdits, etc. Donc ces démons, ce sont des démons d'ailleurs, hein, c'est des démonettes qui sont les seins à l'air, quasiment à poil, qui séduisent les mecs et les tuent. Elles montent, enfin... Même ces démons ont un côté hermaphrodite, donc des seins, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est très difficile dans les jeux vidéo avec la censure, etc. Puis il ne faut pas non plus être trop dans le PEGI 18, il faut rester en PEGI 16. Donc c'est très compliqué de mettre Slaanesh. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans la plupart des jeux vidéo, que ce soit des jeux Warhammer ou des jeux Warhammer 40 000, la plupart du temps, que vous ayez Battle March, que vous ayez les Dawn of War, etc., la plupart du temps, les dieux qui sont représentés, c'est plutôt Nurgle et Khorne. Nurgle, le premier que vous avez vu, donc le ver et la corruption, la maladie, tout ça, tout ça. Mais du coup, c'est con, hein. Je pense que beaucoup se disaient, bah oui, ils vont mettre les 4. Ah ouais, mais Slaanesh, c'est très compliqué à mettre dans un jeu vidéo. Hein. Donc j'ai hâte de voir la tête des démonettes. Probablement, elles auront des armures. Ce sera pas vraiment les démonettes en figurine, mais bon, c'était quand même... Alors là, celui-là, c'est probablement celui que vous connaissez le plus si vous avez joué à Total War Warhammer, parce qu'il y a carrément le Korbak que vous croisez, etc., que ce soit dans les trailers et autres. C'est Djinch, le dieu de la magie, du chaos, du changement, des mutations, etc. Il dit Deceit, donc Deceit, si je ne dis pas de bêtises, c'est en gros la manipulation, etc. C'est l'idée de retourner les gens contre eux-mêmes, et qui on l'appelle le dieu du changement, etc. Et chacun, bien sûr, alors chaque... enfin, je vais revenir. Et vous avez le dernier qui dit rage. C'est la guerre, le sang et la rage, du coup, la rage guerrière. Et on le voit, c'est Khorne. Du coup, l'autre plus connu qui est le rouge. Donc, les codes couleurs, c'est vert pour Nurgle, rose pour Slaanesh, violet pour... bleu, violet, pardon. Non, parce que violet, c'est aussi Slaanesh. Donc, bleu pour Djinch et rouge pour Khorne. Ces quatre dieux sont très, très connus. En fait, l'idée, c'est que ce sont des dieux. Donc, ils se nourrissent du pouvoir psychique des mortels, des transgressions des mortels, etc. Ils se nourrissent d'une force un petit peu vitale et du désespoir des mortels. Et du coup, bah, la plupart des races peuvent les vénérer, mais les humains sont très vulnérables aux dieux du chaos. Et au final, chaque dieu du chaos a son propre bestiaire, on va dire. Et du coup, à l'image, bien sûr, du dieu. Donc, ils ont leur monture, ils ont leurs démons mineurs qui forment les troupes principales, ils ont leur cavalerie, ils ont leurs démons majeurs aussi, leurs enfants du chaos personnalisés. Donc, ça, c'est des espèces d'ogres, enfin, de trolls ogres en termes de taille, des monstres, enfin, c'est plein de monstres. Et l'idée, c'est qu'il y a aussi les démons majeurs. Et le démon majeur qu'on voit à la fin, c'est chacun a ses démons majeurs qui représentent un petit peu le dieu. Par exemple, on a le Grand Immonde pour Nurgle, je vais essayer de vous les mettre avec l'image. Donc, Grand Immonde pour Nurgle, d'ailleurs, qui ressemble un petit peu, puisque c'est à l'image du dieu encore une fois. Le gardien des secrets, donc évidemment les secrets interdits pour Slaanesh, qui est un peu le maître du plaisir. Le duc du changement, qui est un grand piaf ailé pour Djinch. Et nous avons le buveur de sang pour Khorne, qui est eh bien, une espèce d'immense balrog, démon à hache qui va foutre le bordel, etc. Donc, après avoir vu cette présentation pour vous rappeler qui sont les dieux du chaos, pour que même un joueur qui ne connaisse pas se voit. Là, on vous montre très rapidement que eh bien, cette Zarine a des pouvoirs liés à sa magie de glace. On le voit très facilement par ses gemmes, sa couronne, mais également son épée qu'elle enchante. Les lames de ses gardes, très particulier, ça sera probablement une unité, hein, l'unité royale, un peu comme la garde noire des elfes noirs ou la garde phénix, etc. La garde royale qui se lévite de la Zarine qui, justement, a des lames. On voit une hallebarde glacée. Et là, on voit du coup les troupes qui se lévitent, qui sont bien sûr très inspirées des conscrits, je dirais, d'Europe de l'Est. Encore une fois, il y a bien un mélange, j'y reviendrai après, mais il y a bien un mélange en fait entre les populations. C'est principalement russe, mais il y a aussi l'influence polonaise, de l'influence d'autres pays, Bulgarie, etc. Et on voit, alors ce personnage-là, je vous avoue que je ne connais pas. Si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est peut-être une figure emblématique qui se lévite, mais je ne le connais pas. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on vous montre encore le rapport. En gros, il dit bonjour, enfin,
il dit bonjour et on a l'impression qu'il lui dit pas besoin d'aller plus loin, madame, on va s'occuper de ça pour vous. Vous êtes une Zarine, vous n'avez pas besoin d'aller au combat. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue normal, elle salue pas son troupe. Et le mec la salue en mode vos désirs seront faits sans aucun dialogue. Et ça, c'est ça vous montre la gestuelle, etc. Vous montre que voilà, ce personnage est particulier. Et là, on vous montre pourquoi vous allez kiffer qui se lève et pourquoi je kiffe qui se lève. Le temps est évidemment très gris, très sombre, très bleu, etc. Et vous avez du coup les célèbres, alors c'est les Cossards, donc c'est un mélange entre les Cossacks russes et les Hussards polonais. Ça forme les Cossards. Les Cossards, c'est la grande cavalerie d'élite qui se lévite. Et là, vous les voyez sur des putains d'ours blancs géants. Et ça, c'est incroyable. Mais c'est pas terminé. Parce que vous avez la cavalerie du coup Cossard, justement, qui est très inspirée, encore une fois, des hussards polonais. Et ils pètent la classe en face d'eux. Alors là, on le voit, justement, du coup, là, l'armée qu'ils affrontent, c'est tout simplement des affiliés à Khorne, donc des démons du chaos de Khorne, qui chevauchent, du coup, des bestioles, c'est des juggernautes. Alors par contre, les cavaliers sont normalement, si je ne dis pas de bêtises, des guerriers du chaos liés à Khorne, en fait, ce ne sont pas des démons, ce sont des guerriers normaux, sauf si ça a changé avec le lore récent et Age of Sigmar et tout. À la base, c'est les montures qui sont des démons de Khorne, mais les cavaliers, eux, sont des cavaliers de Khorne, des humains, en fait. Hein. Alors, le champ de bataille, donc on vous montre un petit peu à quoi va ressembler, à quoi vous ressemblez Kislev, parce que le danger, c'est d'avoir Kislev qui pourrait être un petit peu trop similaire à Norska, donc on va essayer de vous montrer pas mal de forêts de pins, etc. Kislev est plus grand qu'il n'y paraît, hein. C'est pas juste, il y a des zones en fait qui sont pas jouables, qui sont dans les terres sombres, donc à l'est des montagnes du bord du monde, donc à l'est. Donc Kislev sera assez grand à ce niveau-là et pourrait réaugmenter un petit peu la taille aussi. Donc voilà, les charges de cavalerie, avec la cavalerie qui se lévite, qui est assez connue pour ça. On vous montre une partie, bien sûr, du bestiaire. J'aime beaucoup. Là, encore une fois, ça fait très la bataille de Winterfell. Hein. Alors là, on vous montre justement les démons mineurs de Khorne. Ce sont C'est pas les sanguinettes, je confonds avec les démonettes. Les démonettes, c'est les... Mince, j'ai un trou. C'est sanguinaire, c'est un truc comme ça. Oh, aïe, aïe, j'ai un trou. Donc là, on voit le buveur de sang, donc le démon majeur de Khorne. Putain, j'ai un trou sur les démons mineurs. Mais bon, on vous montre justement les démons majeurs, mineurs, qui formeront probablement la faction de Khorne. C'est les sanguinaires. J'ai un trou. Ça m'énerve. Alors j'aime beaucoup le truc entre musique traditionnelle et la grosse guitare électrique pour foutre la hype. Donc le démon majeur de Khorne, buveur de sang. C'est le sanguinaire en fait, je crois, je sais plus, j'ai un truc. Donc conquer your demons, donc voilà, arriver à battez vos démons. Hein, Alors la représentation est très drôle, on vous montre justement du coup des boucliers de Khorne. Ici c'est le symbole de Khorne que vous voyez ici. Avec plein d'armes au sol. Alors le choix de la... Faut pas oublier un truc, c'est que à Warhammer 1 c'était à moitié de l'or, Warhammer 2 c'était plutôt de l'argent, et Warhammer 3 du coup je m'attendais à plutôt du bronze ou au contraire à autre chose, et au final on nous montre presque de l'étain en fait ici, j'ai l'impression que c'est presque de l'étain. Allez, la fin est géniale parce que tu sens presque que c'est les devs qui sont tellement des gosses. Et moi ça c'est la partie qui me hype le plus. Alors déjà le truc, voir Kislev, c'est extraordinaire. Faction vraiment sous-côté Kislev. Et là on vous montre quoi? On vous montre les trois grandes factions. On vous montre donc là la Tsarine. Donc justement nous avons donc Kislev avec les terres de Kislev ici. Vous avez ici une tête de sanguinaire, les démons de Khorne. Et là on vous montre une autre faction. Et au début je me suis dit c'est vert, peut-être Nurgle et tout. Mais non, c'est du Jade. Et là il ouvre la carte et il vous montre quoi? Le grand Katay. Et Katay, Katay qui n'est jamais sorti en figurine, qui a toujours été en mode est-ce que Game Workshop va sortir un jour en figurine cette... Et non, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont jamais fait. Et c'est Grande Katay, donc c'est la Chine. Katay, c'est dans notre vrai monde, c'est un autre nom pour la Chine. Et du coup, Katay, c'est la Chine dans Warhammer, dans le monde de Warhammer. Et c'est l'empire humain le plus grand, le plus vaste et le plus puissant du monde. Voilà, juste pour vous vendre le truc. Et vous avez des dragons, vous avez des ogres, vous avez... Mais c'est une arme... Enfin, c'est...
C'est une armée ultra cosmopolite et du coup, ils vous montrent les trois factions qui arriveront dans Total War Warhammer 3 avec du coup les quatre grands royaumes démoniaques avec le rework du chaos qui arrivera aussi, le qui se lève donc la nouvelle faction qui se lévite et vous aurez du coup Kattei dans les races principales. Moi, je m'attendais vraiment à Royaume Ogre derrière on aurait Royaume Ogre plus pourquoi pas et là regardez à quel point c'est... Alors, ce personnage-là, si je dis pas de bêtises, normalement, c'est celui qui est censé être votre conseiller dans les batailles, etc. Enfin, le conseiller qui vous parle tout le temps, en mode ah, allez-y là-bas, machin. Et on le voyait corrompu d'ailleurs dans le trailer du Total War Warhammer 1. Et là, regardez, il fait un grand sourire en mode eh ouais, hein, Kattei, les gars, Kattei! Ça, c'est vraiment les fans. On sent que les mecs, les devs, sont des putains de fans et ça fait plaisir. Mais du coup, moi, je suis comme un gosse parce que Kattei, je l'attendais en DLC, j'étais même pas sûr. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi peut-être qu'on irait pas autant à l'est et je préfère être agréablement surpris comme maintenant plutôt que terriblement déçu. Donc, je m'étais dit peut-être pas Kattei finalement. Peut-être que Kattei, effectivement, c'est trop large. On sait qu'ils ont des petits soucis de technologie pour agrandir le monde et tout. Mais là, ce trailer va nous faire dire Kattei. Et du coup, probablement en DLC, eh bien, on aurait Nain du Chaos, Royaume Ogre. Et par contre, j'espère à l'avenir aussi les Dogs of War, qu'ils ne soient pas oubliés, les petits Dogs of War. Alors, bien sûr, ça met sur la table, est-ce qu'on pourra avoir Nippon et Indra? Sachant que les mecs, les devs ont dit eux-mêmes que. Alors, pas avec Total Warhammer 3, mais avec Total Warhammer 2, ils disaient que de toute façon, ce qui arrivera dans Total Warhammer 3, tant que les gens achèteront leur DLC, ils continueront de faire du contenu. Donc, Total Warhammer 3 pourrait être le jeu avec le plus de contenu à la fin, en mettant vraiment, en n'oubliant rien, en mettant tout. Et peut-être, par exemple, que je vais le glisser, parce que je sais que ceux qui me suivent beaucoup, il faut que je le glisse quand on parle du chaos. Peut-être qu'on aurait le cinquième dieu du chaos qui est moins connu, parce qu'il y aura un rework. Du cinquième dieu du chaos que la plupart des gens connaissent, c'est le chaos universel, donc l'ensemble des quatre dieux qui forment un panthéon à part qu'on appelle le chaos universel, donc les guerriers du chaos, Archaon, tout ça que vous avez déjà dans Total War Warhammer. Mais il y a un cinquième dieu du chaos moins connu. Je ne parle pas du raccord nu, le dieu des Skaven, les hommes rats, je ne parle pas d'Achut, le dieu des nains du chaos, ou quoi que ce soit, je parle de Malal, ou Malice maintenant, parce qu'il y a des problèmes de droit, qui est tout simplement le dieu du chaos qui est blanc et noir, et qui est le dieu du chaos, qui est celui qui veut la destruction de tout, et du coup qui est principalement contre le chaos. Et ça pourrait être extraordinaire, ça aussi. Mais bon, on verra, dans tous les cas, c'est déjà extraordinaire ce qu'ils font. Je suis extrêmement hypé. J'ai un peu peur pour les Dogs of War, donc les nations un petit peu oubliées comme l'Arabie, l'Estalie, l'Attier et tout, principauté frontalière, mais ça pourrait arriver bien après. Ce qui est sûr, c'est que bah, ça devrait normalement sortir. Ils ont mis fin 2021, mais peut-être du coup 2022 avec tous les problèmes, etc. On aura normalement le rework combat avant avec Total War Warhammer 2 qui va nous faire patienter pas mal, mais c'est. Moi je suis juste ultra hypé, je pense que je vais arrêter la vidéo là-dessus, mais je suis. Je suis comme un gosse, tout simplement. Je suis comme un enfant. J'attends ça avec impatience. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Je pense que je vais faire une playlist bientôt de Warhammer. Comme ça sera plus simple plutôt que d'être perdu partout. Je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le vieux monde. Ou plutôt l'est du vieux monde maintenant. N'hésitez pas. Petit like. Petits réseaux sociaux, tout ça, Facebook, Twitter. N'oubliez pas la vidéo sur l'histoire de Warhammer. Parce que même ceux qui connaissent bien, bah, ils découvriront peut-être des trucs sur Kattei et tout. Voilà, plein de bisous!